Amandine Henry, tout sourire. Visiblement ravie, la capitaine de l'Olympique Lyonnais, d'être ici à la Saline, au milieu de jeunes footballeurs réunionnais, assez loin de Clairefontaine et de l'équipe de France. Amandine Henry, disponible à souhait pour partager sa passion du ballon rond, se mêlant volontiers aux jeunes, très appréciée et appréciable. Elle est bien, il motive à nous à plus jouer football. Là, ça montre à nous l'exemple quand si nous voulons être grands après, voilà. Ce qui est important, c'est de partager des valeurs comme la solidarité, le respect et puis toujours croire en soi, de jamais baisser les bras et puis tout simplement de travailler dur, c'est tout. Sur le bout de terrain d'à côté, Quentin Merlin, jeune défenseur pro du FC Nantes, se place en obstacle face aux jeunes de la Charles de Foucault. Le challenge de le passer est excitant et ceux qui y arrivent sont comme surboostés. On sent qu'on l'a dribblé, on sent fort. On m'a fait un crochet, après on m'a attiré. Partager notre passion avec les enfants. Le football, ça reste que beaucoup de gens regardent ça et beaucoup de gens aiment ce sport. Et c'est pour partager ma passion, pour leur donner des conseils s'ils demandent. Et puis c'est pour surtout vivre un moment incroyable pour les enfants. Parce que moi, quand j'étais jeune, quand je vivais des moments comme ça avec des joueurs pros, c'était toujours une journée unique. Des buts, Fabrice Abriel en a marqué plein à l'OM, Lorient et Nice. Mais désormais entraîneur, il est pleinement dans la transmission. Et avec les jeunes marmailles de mille sourires, Abriel est à fond dans son rôle. Cette envie de partager notre passion, transmettre aussi un peu mon expérience. Maintenant, je suis entraîneur, donc on a quelques outils. Puis à travers des ateliers, des exercices, on essaye un petit peu de dynamiser, d'intéresser et surtout que l'enfant prenne du plaisir. Car c'est bien là l'essentiel de cette 13e opération foot en VIM, Very Important Marmaille, opération orchestrée par l'association Mille Sourires et une fois encore, très réussie.